veux du lait. Oh. Tiens, Yo-Yo. Maintenant, soyez sage, d'accord? Il faut que je me débrouille pour arrêter Roméo. Oh, et tout seul en plus. C'est pas fait exprès. Hé! Hey, c'est pas bien de dessiner sur les murs. Ouais. Et toi, tu vas descendre de là tout de suite. Glu glu main collante. Soyez sage 5 minutes. Ça va, ça va, ne pleurez pas. Vous voulez qu'on rejoue à cache-cache? Ouais. Une fois que mon rayon bébéficateur sera réparé, c'est le tétard qui sera le prochain visé. Oh, oh. Non, non, mon chaton, bas les pattes, compris? C'est l'alarme du QG. Oh, oh. Roméo ne va pas tarder. Si je me fais bébéifier, alors il n'y aura vraiment plus personne pour l'arrêter. Hein? J'ai une idée. Qui veut jouer au super-héros? Moi aussi. Alors c'est parti. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Vas-y, bats des ailes, comme ça. Rassure-toi, je ne laisserai personne t'enlever de là. Hey, pas touche à mon doudou, sinon ça va barder. Maître, à l'aide. Yo-Yo. Oh, salut! Qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de nous le dire. C'est toi qui es parti. Ah. Derrière vous! Ça ne prend pas ce coup-ci. Oui, tu nous as eu une fois, mais pas deux. Livraison pour maître. C'est robot! Vite, vite, vite! Petite peluche, regardez un peu ce que je vous réserve. Mon incroyable machine a transformé les doudous. De Lionelosaur. En avant, Glu-Glu. Yo-Yo, attends. Ce n'est pas un monstre, voyons. C'est Lionel, mon copain. Plus maintenant. T'as vu la taille de ses dents? Laisse-moi lui parler. Je vais arranger ça. Ferizette, mon loulou Lionelino. Tu vois, il me reconnaît. Ça ne l'empêche pas d'écraser tout ce qui bouge. Non, il a juste envie de jouer.
Bibou, rattrape-le! Bibou, tornador! Glu-glu, méga muscle! Beau réflexe! À moi! Yo-yo, rapido! Je suis là! Glu-glu, méga muscle! Vous voyez, il a beau peser au moins 2 tonnes, c'est toujours mon loulou Lionelino. Bon courage pour le porter quand il aura 5 tonnes. Bibou Tornado! Il faut qu'on s'y prenne autrement. Suivez-moi. Mais... Glu-glu, Lionelosaure est devenu incontrôlable. Primo, il s'appelle Lionel. Deuxio, ce n'est pas sa faute. C'est toi qui l'as étourdi alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était jouer. Avec un lampadaire, c'est un danger public. Il faut l'éloigner de la ville avant qu'il la réduise en miettes. Pitié, les copains, réveillez-vous, là. Allez, on est les pyjamasques, vous savez bien. Vous vous rappelez la fois où Roméo m'a rétréci ou... Et la nuit, on a sauvé Noël. Essayez de vous souvenir, on est une équipe. Pyjamasque, vive les pyjamasques. Je vous en supplie, faites un petit effort. Pyjamasque, vive les pyjamasques. Pyjamasque, vive les pyjamasques. Car la nuit, on poursuit les petits bandits. Oh, j'ai toujours pas de rime en i. Génial! Vous êtes revenus. Ouf! Je suis désolée d'avoir joué avec les scintillunes sans faire attention à vous. Je me suis laissée emporter. Mais je vous promets, je recommencerai plus jamais. On ne t'en veut pas. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On récupère toutes les balles. Et cette fois, je ne jouerai pas avec. C'est promis. En avant! Attendez, laissez-moi la dernière. Il y a un truc que je voudrais essayer. Ah, les pyjaminis, mes invités d'honneur. Allez, venez un peu par ici. J'ai vu que Sorceline faisait attention à ne pas toucher les balles. Elle ne les bouge qu'avec son aimant. Souhaitez-moi bonne chance. Surprise, Sorceline! Et boum! Ah! Dis, t'as vu ce qu'il y a là-haut? Cette contrainte, c'est vraiment pas du jeu! Hein? Pas de panique, je suis là! Dommage pour vous, je ne compte pas bouger d'ici! Hein? Forcément, t'es cloué sur place, ou plutôt collé. Vous êtes prêts, les ninjas zouaves? Tous au gymnase pour les tirs au but. C'est de la triche. D'ici, tu vois toutes les rues de la ville, tous les joueurs. C'est pas étonnant qu'on perde. Tu as tout compris. Bibou, sur ta gauche. Hein? Bibou! Hein? Mes ninjas doivent sont les meilleurs! Ils méritent tous un ballon d'or! Ce sont les plus forts! Désolée, j'ai fait de mon mieux, mais voilà, ils sont trop forts. Pourtant, il faut bien les arrêter. Ils engluent tout ce qu'ils touchent. Ah, ça, j'ai remarqué, oui. On a besoin de toi, Bibou. Surtout face à Ninjaka sur son perchoir qui voit tout d'en haut.
sur son perchoir? Mais oui, bien sûr! D'accord, j'ai les pieds collés, mais mes ailes sont en état de voler! Si tu prends de la hauteur au lieu de rester au sol, tu pourras nous aider dans les airs! Parce que tu auras une vue d'ensemble! Oui, c'est ça! Comme pendant le match à l'école! Tu ne t'es pas contenté de marquer, tu nous as dirigés en nous disant quoi faire! Vous avez raison! Si je ne restais pas collée au sol, je pourrais devenir votre capitaine! Utiliser mes pouvoirs que je n'avais pas réalisé à quel point c'était rigolo de les partager. Merci de nous avoir appris à voler. C'est super chouette. Et c'est encore plus amusant que je ne l'imaginais. Oh, regardez, voilà Roméo. C'est l'heure d'être un vrai héros. Ces pouvoirs sont incroyables. Roméo, tu ne garderas pas nos pouvoirs une minute de plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Casser mon super copieur de pouvoirs que j'ai mis hyper longtemps à construire pour libérer vos pouvoirs? Oui, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Oups, ce serait une solution, c'est vrai. Mais d'abord, vous allez avoir affaire à mes glu-glu méga-muscles. Rappelez-vous les garçons, suivez-moi et ça ira. Hop, on décale. Glu-glu main collante. Vous avez entendu Roméo, tout ce qu'on a à faire, c'est récupérer son appareil. Bibou! Yo-yo, rapido! Maintenant, on va l'encercler! Yo-yo, acrobateau! On va tous utiliser notre Bibou Tornado et on va lui faire s'envoler le copieur de pouvoir des mains! Bibou Tornado! Le consoeur! Voyons si l'acoustique est meilleure dans notre salle. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pensé au concert et tout à coup, mes jambes sont devenues toutes flagada. C'est pas grave, Yo-Yo, mais il va quand même falloir qu'on récupère ces instruments. Je sais que le concert compte vraiment pour vous deux, alors j'ai un autre plan. D'abord, Bibou et moi, on va distraire Ninjaka en faisant semblant d'être des fans de lui. Hein? Popstar, popstar, popstar. Je suis la plus grande popstar! Hein? Un orchestre fait pour être entendu, pas vu! C'était énorme, Ninjaka! Ta voix est carrément géniale! Ah, vous reconnaissez enfin mon talent! Oh, on est tes plus grands fans! Vous savez, je ne sais pas faire que chanter. Je suis aussi un grand danseur. Regardez un peu ma choré. Oh, tu serais le meilleur de l'école si tu jouais dans notre concert! Oh! Le concert! Non! Ah! Wow! T'as vraiment complètement détraqué mon rapido camouflage! Quoi? Tout va bien! Glu-Glu aussi est fan de toi! Oh! Bien, bien, bien! Un lézard disco! Ça fera bien dans le décor pendant le show! L'effet boule à facettes! Ça mettra le chanteur en valise! Parfait! On va jouer avec ce cadeau. On se le passe jusqu'à ce que la musique s'arrête. La personne qui l'a en main peut déballer le paquet. Mais quelle musique! Ha ha! Oh, la musique s'est arrêtée. J'ai de la chance.
Ok, deuxième tour. Encore moi. Oh, je vous l'avais dit que j'étais imbattable. Quoi? Il y a encore combien de couches? J'ai vraiment trop de chance. Ah, enfin! Oh, regardez, c'est moi en miniature. Ninjaka, le meilleur de tous. Peut-être, hein? Mais on a récupéré le gâteau. Yeah! Attrapez-les. Cool, caméléon, yo-yo, t'as récupéré mon gâteau. Oh, mais regarde celui-là, Gluglu. Par mes oreilles de chat, il est trop beau. Il ne veut pas de gâteau de Maître Fang, yo-yo. Allez, on y va. Mais... Attendez-moi! Oh, 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 oh. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Yo-yo! Attrapez! Merci! Dis-lui au revoir! Les ninjasois, faites attention à mon gâteau! Dommage pour vous, les pyjaminus. Le gâteau est à moi maintenant. Adieu. Oh, non, attends. Là. Grâce à toi, micro doré, mes papilles peuvent chanter. La 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 la. Par mes écailles, Sorceline a volé doré de Jimmy pour faire son propre concert. Et pour que ses papilles puissent chanter avec elle. Eh ben moi, je vais aller lui reprendre. Et si l'un de vous fait quelque chose de vraiment trop génial pour m'aider, peut-être que ça me dira à qui donner ma place de concert. Moi, je viens avec toi. En tant que meilleur ami, je me dois de t'aider. Quoi? Glu glu reptile au camouflage. La la la. Immédiatement la cinglée du ciboulot. Je suis coincée là-dessous. Jamais. Si je ne peux pas aller à un concert de Jimmy Michael en plein jour, alors personne n'ira. Bien fait les super héros, c'est moi qui ai pris le micro. Glu glu reptile au camouflage. Bibou, utilise ta hibou vision pour nous prévenir quand ils arrivent. Sois sur le coup. Ne t'inquiète pas, yo-yo, je m'en occupe. Bibou, aile de la nuit. D'accord, j'attendrai ton signal. Zoé Zap ouvre l'œil et scrute la ville. Pas moyen que ce méchant lui échappe, ça c'est sûr. Et il ne fera pas le poids face à sa frappe éclair. Attaque éclair. J'ai enfin réussi. Ouais. Wow. Oh non, je ne l'avais pas vu. Et dire que je devais prévenir les autres. Robot, robot. Mes écailles. Allez, glu glu. C'est pas une boîte de conserve qui va me faire peur. Glu glu, yo yo, rapido. Comme ça, le grand méchant robot a stoppé le petit chat dans son élan. Ha ha. Maintenant, ligote-les. Ne vous inquiétez pas, ma frappe éclair va vous sauver. Mais ce n'est même pas un vrai truc de super-héros. C'est juste dans ta BD. Zoé Zap, attaque éclair. Alors, petit scarabée, tu ferais mieux d'arrêter le karaté et de te recycler. Robot. Non.
plus beaux livres de la ville. Je les ai déjà. Et bientôt, ils seront remplis de photos de moi. Vite, rattrape-les. On te rejoint avec le chat bolide. D'accord. Et cette fois, je vais utiliser mes pouvoirs de hibou. C'est l'heure d'être un vrai héros. Allez, viens, Yo-Yo. Oui. Non, attends. Je récupère d'abord mon tambour. À toi, Yo-Yo. Capuche, t'es tellement occupé avec ton tambour que t'as même oublié tes amis. Oh, ils sont Yo-Yo. Ils feront une tête de gondole parfaite pour les chars de la Ninja Caparade. J'ai vraiment tout gâché. Tout ça parce que je voulais récupérer mon tambour. T'en as pas besoin. Ouais, tu peux diriger le défilé. J'y crois pas trop. Tape des mains et des pieds, tu verras. T'as raison. Même sans mon tambour, je peux être un meilleur meneur de parade que Ninjaka. Alors vas-y, fonce, Yo-Yo. C'est l'heure d'être un vrai héros. On va arranger tout ça. Yo-Yo, rapido. Quoi? Les ninjas doivent en position. Maintenant, on va voir qui est le meilleur tambour-major. Ha! T'as même pas de tambour. Les héros n'ont pas besoin de tambour, Ninjaka. Surtout quand ils savent faire ça. Allez, les pyjamasques, on va leur montrer qui a le rythme dans la peau. Ouais. Quoi? Ça suffit, les ninjas zigoto. Je peux y arriver. 1, 2, 3, 4. Gauche, droite, on tourne, demi-tour. Et on se met en place pour la pyramide. Ouais. J'arrive. Merci, Bibou. Pas de soucis. Mais voler n'est pas la seule solution. Pourquoi tu t'es pas servi de ton camouflage? De mon camouflage? T'es sûr? Il y a toujours une autre façon de régler un problème. Qu'est-ce qui m'arrive? Je m'envole! J'ai atteint ma cible, cervelle d'oiseau! Voilà ce qui t'arrive! Enfin, de quoi descendre! T'es trop haut pour moi! Essaye d'utiliser tes ailes de la nuit pour contrer l'effet anti-gravité! Je suis trop légère! Je contrôle plus rien du tout! Un pyjama à terre! Ou devrais-je dire, en l'air! Plus que deux! Maintenant, il faut qu'on arrive à stopper Roméo et à sauver Bibou! Je me charge de lui. Toi, tu t'occupes d'elle. Yo-Yo, acrobation! Mais j'ai pas les pouvoirs qu'il faut pour ça! Réfléchis, Glu-Glu. Voler comme Bibou, ça n'a pas marché. Je pourrais peut-être sauter aussi haut que Yo-Yo. Mais j'ai des jambes de lézard. Je peux pas bondir comme un chat. Mais le chat bolide peut, lui. Je vais me chatapulter au-dessus de Bibou, ouvrir le toit et l'attraper. Cool, caméléon! C'est parti! Attrape ma main, Bibou! Hein? Wow! Oh! Tu peux toujours courir, mais tu m'échapperas pas, espèce de pyjaminé à la noix! Quoi? Comment vous... Aucune importance! Maintenant que Glu-Glu vous a rendu moins léger, je peux vous atteindre! Yo-Yo, acrobation! Je te tiens! Wow! T'es la prochaine, Bibou! Non, chat de gouttière! C'est toi le prochain! Oh, oh, oh. Non, Yo-Yo! J'arrive! Attends, je vais venir, moi! Ça fait deux pyjamas en l'air! Plus que un à toucher! Et pendant que j'y suis, une deuxième onde pour le QG! Encore un coup et il s'envolera dans l'espace! Par mes écailles, j'avais vraiment envie de faire le robot! Il n'est pas question qu'on laisse Sorceline gâcher la fête de l'école! Il faut qu'on sorte d'ici! Je m'en charge! Glu-glu méga muscle! J'arrive pas à le déplacer! Hein? Et je peux pas sortir par les airs! Elle a dit que le dôme allait sous terre, hein? Donc on ne peut pas passer par là! Sauf si tu tournes tellement vite sur toi-même que tu creuses un tunnel sous le dôme! C'est une idée géniale! Comme la figure de danse de la tornade tourbillon, Yo-Yo! Oui, je sais, Amaya, c'est bien ça qui m'embête!
T'as juste besoin d'un peu d'entraînement. Pas question, je ne veux pas encore tomber. C'était trop la honte. On va trouver une autre idée. Tout se passera bien. Tiens, je te remontre. Allez, tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe et après, tu tournes. Et tu te sers de ton yo-yo rapido. D'accord. Je suis morte de rire, Pyjaminet. Ça aurait été trop drôle de te voir danser ta tornade à ma fête. Oh, et une boum n'est pas une boum sans ça. On t'arrêtera, Sorceline. Vous ne pouvez rien faire, vous êtes prise au piège. À plus, les piges incapables. Le dôme descend vraiment profondément dans le sol. Peut-être que si vous deux, vous faisiez la tornade tourbillon... Ça marcherait pas. Tu es le seul qui peut tourner assez vite pour creuser un tunnel sous le dôme. Alors nous devons faire autrement. Ok, à trois, on fonce dans le dôme en même temps. Il ne sera pas assez solide face à tous nos pouvoirs. 1, 2, 3. Glu-glu méga bûche. Bibou tornado. Yo-yo méga saut. Vous échauffez pour la fête? J'ai de la déco. J'adore les ballons. Surtout quand ils ne sont pas à moi. Yo-yo, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui sais sauter comme un chat glu-glu. Donc je m'en sortirai mieux que toi. Quoi? Mais tu viens de me voir assuré. C'est parti. Yo-yo, à la rescousse. Yo-yo, il faut que j'arrive à me décoincer de là. Bibou. Mais... L'astro-hibou est cassé.
T'as pas besoin de l'astro hibou. Tu voles très bien sans lui. Je peux pas. Pourquoi tu dis ça? À cause de Ninjaka. Parce que c'est vrai qu'il est plus fort que moi. Quoi? Tu rigoles? Tu es la meilleure dans les airs. Ce n'est pas de ta faute si Ninjaka a abîmé l'astro hibou avec ses étoiles collantes. Bien dit. Et on peut t'aider, nous. Déjà, on va rapporter l'astro hibou au QG. Et ensuite, on ira faire un petit tour au musée. C'était pas si compliqué que ça. Heureusement que je me suis souvenue qu'il y avait ce vieux coucou au musée. Cool, hein? Ah oh oh, tu t'en sors très bien. Tu vas forcément rattraper Ninjaka. Mais c'est toi l'experte en pilotage de l'équipe. On t'écoute, on suivra tes instructions. Mes instructions? Mais... Oh, les voilà! Ils vont attraper la montgolfière avec leurs étoiles collantes. À toi de jouer, Bibou. Dis-nous comment faire pour les arrêter. Il faudrait... On n'attend plus que toi. On ne peut pas laisser Ninjaka prendre une machine volante de plus. Je... Ok, t'inquiète pas, on va improviser. Le ballon s'emballe et je ne peux plus m'arrêter. Oh ha ha. C'est moi qui devais gagner. Oups. Finalement, ma vitesse m'a joué des tours. Si on veut récupérer cette coupe, il faut que j'aille lentement, mais sûrement. C'est l'heure d'être un vrai héros. Hé, on a tous gagné une course. On est ex-aequo. Il faut qu'on se départage sur une toute dernière épreuve. Et celui qui la remportera, gagnera la coupe. Très bien. On va aller d'ici jusqu'au centre sportif sur ces gros ballons. Tu parles d'une épreuve ultime, c'est beaucoup trop facile. Oui, on a déjà fait ça. Mais est-ce que vous l'avez fait en portant un œuf géant sur une petite cuillère? Les doigts dans le nez. D'accord, mais avec un ninja zouave sur la tête. Ce sera de la tarte. Le pyjaminet va encore se ramasser. Et là, c'est moi qui gagnerai. Pas question, je vais gagner. Je sais, rien ne sert de courir. Lentement mais sûrement, lentement mais sûrement. Pousse-toi de là que je gagne, espèce de limace. Yo-yo, acrobation!
Et voilà comment on met toute une bande de super-héros au tapis. C'était justement la pièce qu'il me manquait pour enfin activer mon robot-chat. Rien ne peut plus m'arrêter. Les pyjamas, c'est du passé. Oui, du passé. Il faut que je trouve une parade. Ouais. Bien joué, Yo-Yo. Libère-nous, on va t'aider. Il vous faut vos pouvoirs. Je vais chercher vos pyjamas. Je n'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton. Et mon robot-chat sera enfin prêt. Passez vite, Roméo. Aïe. À toi l'honneur, Pyjaminus. Qu'est-ce que j'ai fait? Un robot-chat. Il marche grâce à mon super ordinateur. Non, pas trois robots. Robot-chat, attrape-moi ce vulgaire sac à puce. Wow, c'est catastrophique. Personne ne peut plus rien contre moi. Oh. Greg et Amaya à la rescousse. Quoi? Oh, mon précieux robot. Mais comment êtes-vous sorti de votre cage, les Pyjaminus? Incroyable ce qu'on peut faire avec une barrette à cheveux. C'est vous qui êtes incroyable, même sans vos super pouvoirs. Merci. Y a pas de quoi. Vous aviez raison. J'aurais dû vous laisser m'aider. Attrapez-les! C'est l'heure d'être un héros et d'accepter votre aide cette fois. Yo-Yo, rapido! Ce sera plus amusant de vaincre Roméo en super-héros, non? Amaya devient... Bibou! Greg devient... Blizzly! Les pyjamas! Il faut frapper le super-ordinateur de Roméo. Si on le détruit, ça désactivera les robots. Tu as raison, Bibou. Les pyjamas, on y va! Ils valent rien, vos objets. Ils arrivent pas à la cheville de la statue de la Lune. Continue à chercher, Papy Nuit. Ce serait pas plus simple que tu lui donnes ce qu'elle veut et qu'on n'en parle plus? Non, la statue du hibou est à moi et c'est tout. Bon, d'accord. Alors on passe au plan B. Yo-Yo, rapido! Allez, on s'active, les Papy Nuit. On n'a pas toute la... Hein? Hein? Qu'est-ce que... Quoi? Hé! Hein? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je viens de bloquer toutes les issues, Sorceline. Tu ne peux plus t'échapper. C'est ça, dans vos rêves. Sorceline et ses Papy Nuit se sont échappés. Ils ont laissé tous les objets. Tous sauf mon hibou du partage. Elle l'a embarqué. On n'a qu'à dire que tu lui as donné. Ben voyons, ça aurait été trop simple. Ce bric-à-brac, on dirait que Sorceline n'en veut plus en fin de compte. Si elle n'en veut plus, moi je veux bien le garder, ce chat. On n'a plus qu'à tout rapporter à l'école. Oui, tout le monde sera content, fin de l'histoire. Tout le monde sauf moi. Mon hibou du partage n'est pas dans le tas, mais j'ai bien l'intention de le récupérer. On dirait qu'il y a comme un champ magnétique ici. Je vais avoir besoin de votre aide pour récupérer ma statue. Tu es sûre que tu ne veux pas lui laisser? Jamais de la vie, Sorceline me l'a volée. Elle ne mérite pas de la garder. Bon d'accord, toi tu t'arranges pour qu'elle sorte. De mon côté, j'essaie de trouver un moyen pour entrer. J'étais en train d'admirer cette magnifique statue de Lune. Oh, c'est une statue de hibou d'abord et tu me l'as volée en... Hé, où il est passé? Et il est parti? Je te tiens. Tu sais, Yo-Yo, je crois qu'il a juste envie de jouer avec toi. Ouais. Il serait pas en train de jouer s'il voulait nous piéger. Jouer? T'as vu tout le bazar qu'il a mis? C'est catastrophique! Tout ce bazar, c'est surtout à cause de toi. Non! Oh. Ne reste pas là, va-t'en! Yo-Yo, il a peur. Tu peux pas lui faire ça. On n'a pas le choix. Y a pas de ninja zouave sans son maître. Donc Ninjaka ne va pas tarder à arriver. Faut se dépêcher de le trouver. Tous à l'astro-hibou!
Super Hibou Vision. Je ne le vois pas. Et toi, tu l'as trouvé? Non, Amaya, je ne le vois pas non plus. Hein? Toi? Il est venu avec nous? Tu devrais pas être là. Yo-Yo, je suis sûre qu'il veut qu'on l'aide. Non, si on veut être en sécurité, faut que je le fasse sortir d'ici. Eh bien, on ne peut rien faire avant l'atterrissage. En plus, il faut l'attacher. Glu-Glu, prends-le sur tes genoux le temps que je me pose. Je vais le prendre avec moi, histoire d'être sûre qu'il ne fera plus de bêtises. Ben alors, t'attends quoi pour me le passer?